Bonjour, nous sommes à Albertville, où il y a énormément de monde et une très bonne ambiance. Albertville, lieu de départ de la 11e étape qui va amener le peloton au sommet de la Rosière. Alors cette étape est particulière, elle ne développe que 108 km. 108 km très difficiles avec pas moins de 4 cols au programme. Sur cette étape, on espère voir enfin les cadors se dévoiler. Ne pas vivre le même scénario qu'hier où finalement il ne s'est rien passé à part la victoire, la brillante victoire de Julien Lefebvre. Et côté breton, bien sûr, on espère voir Warren Barguil à l'action. Sébastien Hinault, Warren Barguil a volontairement lâché du temps hier. Est-ce que cela veut dire qu'on va le voir à l'attaque dès aujourd'hui ? Volontairement, ouais, oui et non, parce qu'il a quand même tenté d'attaquer. Il a vu que c'était compliqué. Après, d'enchaîner un deuxième effort dans la Colombière, c'était difficile. Forcément, d'être à 10 minutes, c'était plus confortable aussi pour lui. Pour s'immiscer dans une échappée et aller gagner une étape. On a également vu Élie Gébert dans l'échappée hier, ça doit être une grosse satisfaction du côté de chez Fortuneo. Ouais, on avait Élie et puis Amael Moinard aussi. On aurait souhaité qu'ils aillent un peu plus loin parce que malgré tout, quelques coureurs de l'échappée vont au bout. Mais bon, ils étaient déjà représentés devant au cas où pour servir de relais à Warren dans une situation où le peloton aurait été plus proche de l'échappée. Après, on leur a dit de tenter leur chance pour la victoire d'étape, mais il en manquait un petit peu pour jouer avec notamment Alaphilippe. Alors aujourd'hui, entre Albertville et La Rosière, on a une étape très courte, 108 km, mais truffée de difficultés. Est-ce qu'on va assister à la grande bagarre entre les cadors du Tour ? C'est un peu la question qu'on se pose. Hier, je pense que la Sky a montré sa force de frappe. Ils sont très forts. Ils écrasent un peu la course, ils bloquent la course, on va dire même entre les meilleurs. Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de profiter de cette situation ? On se pose la question.